Vraiment, c'était extraordinaire. En fait, il faut voir pour croire. C'est-à-dire qu'il faut voir pour voir. Je ne sais pas, j'ai une nouvelle peau. Moi, je suis encore sur la terre, je ne suis pas encore morte. J'ai une nouvelle peau qui vient du ciel. Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. Il est tout puissant. Des multitudes de témoins à travers l'histoire n'ont cessé et ne cessent de le répéter et le confirmer de plusieurs manières. Et la sœur Vinciane Oka est l'un des témoins de ce fait dans notre génération. Ayant souffert pendant plusieurs années de maladies mystérieuses qui lui faisaient subir des douleurs atroces à la tête, au dos et au ventre, sa foi au Seigneur Jésus-Christ, le divin guérisseur, lui a fait expérimenter une guérison miraculeuse et ce, dans des conditions qui confirment encore que Dieu est capable de tout pour le bien et la délivrance de ceux qui mettent en lui leur confiance. Il faut dire que je souffrais de dos, j'avais une douleur dans le ventre, j'avais une forte migraine aussi qui me fatiguait et j'avais une douleur aussi dans le dos. J'avais trois maladies, la tête, le ventre et le dos. Gloire à Dieu. Et pendant des années, je criais que le Seigneur me guérisse. D'abord en 2016, j'avais mal au ventre. Et j'ai pris ça à la légère. Je pensais que c'était un problème d'indigestion, gloire à Dieu. Et arrivé un moment, je n'arrivais plus à me redresser. Et mes parents m'ont vite conduit à l'hôpital. Ils m'ont mis dans une machine. Ils ont dit que, à côté de mon ombril, il y a des bêtes qui avaient creusé un trou. Et ce trou, mes intestins cherchaient à rentrer. Gloire à Dieu. Et le docteur me disait que, ma chérie, vous avez la chance. Parce que si tu avais fait un jour à la maison, il n'avait pas à voir un docteur sur cette terre qui pourrait t'opérer, puis tu vas aller avoir la vie. Gloire à Dieu. Et il a donné une longue liste de médicaments qu'on a achetés. J'ai pris. Ça s'est calmé. C'est-à-dire, je n'étais pas guéri. Par moments, ça venait. Et la douleur était tellement atroce que je criais au Seigneur. Amen. Et j'avais aussi une forte migraine qui me fatiguait. De telle sorte que quand ça vient, je mouillais une serviette pour mettre sur mon front. Mais ça séchait. Gloire à Dieu. Ça veut dire que c'était. Je n'arrivais pas à supporter. Je pleurais comme un bébé. Parce que c'était comme si ma tête allait s'arracher. Gloire à Dieu. Et je n'arrivais pas à bosser. Et j'avais aussi un problème dans le dos. J'avais toujours mal au dos. Je n'arrivais pas à m'asseoir pendant même 30 minutes comme ça. Dès que j'essayais d'y aller, ça faisait que lorsque je partais à l'école, je ne pouvais pas tenir longtemps sur les bancs. Gloire à Dieu. Et chaque 30 minutes, bien souvent même 20 minutes, je sortais pour aller tourner un peu dehors pour revenir. Au moins, revenir. Le procès était déjà avancé et je souffrais de ça. Ça fait que j'étais obligée d'arrêter les études. Alléluia. Et lorsque je vais m'asseoir aussi pour bosser, je n'arrivais pas. Chaque fois, j'étais couchée. Et quand la douleur venait, la douleur du dos, j'étais obligée de mouiller une serviette. Donc ça fait que j'avais toujours deux serviettes mouillées. Je faisais pitié. Gloire à Dieu. Jésus est bon. Je mettais une serviette, je mettais une serviette sur la tête. Et une autre serviette encore sur le dos. Et quand je fais ça, dans les premières minutes, ça s'est classé un peu. J'arrivais à respirer, mais après, ça séchait. Et je remouillais. C'était mon fardeau. Et je criais au Seigneur, que le Seigneur me guérisse. Parce que quand mes parents m'avaient envoyé à la clinique de Yam Sokro, des millions, mais ça venait toujours.
Il est donc clair, la médecine humaine n'a pu rien faire. Ses limites ont encore été exposées au grand jour. Malgré les soins et les millions de francs investis dans les médicaments et les soins médicaux, les douleurs allaient sans cesse croissant. Au point que notre sœur était souvent tentée de solliciter la mort plutôt que d'en supporter davantage. Mais la Bible le dit si bien, deux valent mieux qu'un. Son époux, lui aussi homme de foi, a valablement assuré sa part de responsabilité et de soutien indéfectible à son épouse dans cette épreuve. Gloire à Dieu! Et avant le 31 décembre 2021, il faut dire qu'elle se tordait beaucoup de mal et la douleur au dos. Et ça faisait que par moments, je la massais avec du matelatol. Gloire à Dieu! Et ça a duré pendant longtemps. Et là où elle a signifié qu'on appelait même le pasteur Lombé la nuit. Et il faut dire que une nuit, elle se tordait atrocement de douleur. Ça arrivait au point où elle me disait, pardon, laisse-moi partir. Tu vas te marier après. Gloire à Dieu. Donc je lui disais, mais qu'est-ce que tu dis? Que je refuse ça. Et elle a... Acclamation. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On s'est juste marié le 5 juin 2021. Gloire à Dieu. Donc ça faisait pas encore un an. Et elle disait, non, je vais, laisse-moi partir, tu vas te marier après ce qui est sûr. Gloire à Dieu. Et j'ai refusé cette nuit-là. J'étais rempli de sueur. Parce que nous étions en train de crier à Dieu. J'étais en train de crier à Dieu, on était deux. Et j'étais en train de crier sérieusement au Seigneur. Et elle se tordait davantage de douleur. Et cette nuit-là, il se faisait tard, autour de presque une heure, si je ne me trompe pas. Et j'ai appelé le pasteur Lombé. J'ai appelé le pasteur Lombé. Et sur le coup, il a décroché. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a donné des dirigeants merveilleux. Alléluia. Et cette nuit-là, il a dit, donne le téléphone que je prie. Gloire à Dieu, j'ai mis aussi au haut-parleur. Et le pasteur Lombé a crié à Dieu. Il a jugé le mal. Et quand il a fini, il dit Amen. Dans les instants d'après. Je vous dis que, elle a peut-être honte de dire ça, mais dans les instants d'après, elle a fait juste un vent. Trois fois successives. Du vent. Une fois, deux fois, trois fois. Les instants d'après, la douleur a disparu. Jésus. Gloire à Dieu. Mais les douleurs de dos, du ventre, qui revenaient par moments. Gloire à Dieu. Et elle va continuer le témoignage. Alléluia. Notre sœur s'est donc ressaisie, se souvenant qu'avec Jésus, il n'y a aucune fatalité. Elle l'a saisi et s'est établie dans la vérité selon laquelle tout est possible à Dieu et donc tout est possible à celui qui croit en lui. Au lieu donc de se lamenter passivement sur la situation, bien que davantage douloureuse, notre témoin a plutôt suivi le chemin de Jacob dans la lutte avec Dieu à travers la prière fervente et persévérante, comme elle nous le relate dans la suite de son témoignage. Comme je disais, j'avais toujours mal. Et le 31 2021 à Tiekwa, lorsque le pasteur Meyer disait, il a dit levez-vous, qu'on prie pour les maladies, que les prêts vous serez guéris, croyez. Mettez la main là où vous avez mal. Mais moi j'avais trois maladies, je ne pouvais pas départager mes mains, gloire à Dieu. Donc j'avais juste déposé mes deux mains sur la terre et disais, Seigneur, guéris-moi, guéris tout le monde. Tu connais mes problèmes, tu connais mes maux. Tu sais de quoi je souffre. Parce que si tu me guéris, tu me guéris le dos et que tu laisses les deux maladies, c'est comme si je vais toujours souffrir. Alléluia. Donc guéris-moi de toutes les maladies dont je souffre. Gloire à Dieu. Le 31 avant la prière et toutes ces douleurs, il est arrivé par un moment où je lui disais, bon, allons à l'hôpital. Où je lui disais, je vais aller à la pharmacie pour acheter des médicaments. Elle me disait que non,
que le Seigneur va me guérir. Alléluia. Et elle est demeurée ferme là-dessus. J'étais sur le point, il arrivait des moments où j'étais sur le point de sortir. Et la pharmacienne me dit non, non. Ne va pas à la pharmacie, laisse les médicaments. Le Seigneur va me guérir. Alléluia. Et juste cette parenthèse, à gloire à Dieu. Amen. Oui. Il lui disait, laisse. Parce qu'à chaque fois qu'il va prendre son salaire, il va venir. Il dit non, laisse. Le Seigneur va me guérir. Quand tu vas m'envoyer à l'hôpital, tu as acheté des médicaments. Je serai soigné, mais je ne serai pas guéri. C'est Jésus seul qui va me guérir. Donc, laisse, n'achète pas de médicaments. Alléluia. Et donc, il disait 31 décembre 2021. Ah, tu sais quoi? Donc, quand Pasteur Meyer a fini de prier, j'ai dit, Seigneur, ton serviteur vient de prier. Ne me laisse pas rentrer dans la nouvelle année, c'est-à-dire année 2022, avec ces mêmes maladies. Je suis fatigué. Que je sais que tu es réel. Donc, descends et agis rapidement. Libère-moi. Alléluia. Et le 1er janvier, c'est passé. Je souffrais, au fait, c'est comme si j'étais folle, mais peut-être c'était la foi. Parce que j'ai pris une chaise et disais au Seigneur, assieds-toi, tu me guéris ou bien tu me guéris. Alléluia. C'est ce que je lui disais. Par moment, mais quand mon mari me voyait, il s'est dit, c'est là la quoi. Mais je parlais au Seigneur, je dis, Seigneur, tu me guéris ou bien tu me guéris. Parce que le mot tu ne peux pas, là, ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Offre l'acclamation à Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Déjà plusieurs années que l'épouse du frère Oka attend la guérison et toujours pas de réponse. Doit-elle abandonner? Dieu va-t-il finalement lui répondre? Face à l'impuissance humaine, devant ces cas hermétiquement scellés d'insolvabilité du point de vue des possibilités terrestres, l'on est souvent tenté de se poser la question de savoir pourquoi Dieu laisse-t-il perdurer ce genre de situation douloureuse dans la vie de ses enfants. Et à ce niveau, il est clair que l'on ne doit pas jouer le jeu des insensés en allant jusqu'à remettre en cause la souveraineté de Dieu, qui nous a pourtant invités à lui rendre grâce en toutes choses, car il est engagé à faire concourir toute situation au bien de ceux qu'il aime. Surtout qu'il a promis se glorifier, même à travers la guérison de nos maladies, comme il pouvait le dire dans Jean le chapitre 11, le verset 4, à propos de son ami Lazare. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et oui, cette parole a eu un effet d'actualisation et de concrétisation dans la vie de la sœur Vinciane, et ce, dans les mêmes proportions auréolées d'extraordinaire. Et le Seigneur agit par la foi. Il a vu que ma foi était grande. Alléluia. Donc, le 2 à 4 du matin, après la méditation, vu que c'était un dimanche, à la veille c'était un dimanche, à 4 c'était un dimanche, on devait aller au culte. Donc, on avait fini la méditation aux environs de 6 heures moins. Il m'a dit non, qu'il va repasser les habits pour qu'on soit à l'heure. Alléluia. Donc moi, je lui ai dit que je vais m'étendre un peu. Et il était dans la chambre, il était en train de repasser les habits auprès de moi. Ce jour, on dit que c'est le Seigneur même qui a permis cela, en fait qu'il soit un témoin. Gloire à Dieu. Donc il était juste à côté, il était en train de repasser les habits. Et dès que je me suis allongée, au début, j'étais couché sur le dos. Et je l'observais. Gloire à Dieu. On ne peut pas dire que je dormais. Parce que je le voyais, il était en train de repasser les habits. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur m'attendait que je m'allonge. Dès que je me suis allongé net, je vois deux anges qui sont descendus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je voulais lui dire que j'étais immobile, je ne pouvais pas parler. Et lui, il était en train de repasser les choses, repasser les habits. Vapeur pour faire sortir, vapeur de faire repasser, j'entendais, c'est-à-dire que je suivais ses faits et gestes. J'étais couché sur le dos. Et quand ils sont descendus, quand les anges sont arrivés, ils ne m'ont même pas adressé la parole d'abord. Ils ont mis deux appareils dans mes oreilles. Ils ont mis un ici, et puis ils ont commencé à tourner. Le bruit était tellement fort que je pensais que ça faisait mal. Donc j'étais dit, et lui, il me regardait, il repassait, mais il me regardait. Gloire à Dieu. Et quand ils ont fini de tourner, ils ont retiré les deux appareils. Il y avait des saletés, beaucoup de déchets dessus. Et ils m'ont dit que c'est pour ça que tu avais une forte migraine, toujours qui te fatiguait. On vient d'enlever tout ça. Gloire à Dieu. Offre l'acclamation à Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Jésus est puissant. Alléluia.
Et quand ils ont fini, parce que j'étais toujours couché sur le dos, et ils ont ouvert mon ventre. Alléluia! Vu que j'avais trois maladies, la tête, le ventre et le dos. Oh, Jésus est puissant. Et quand il a fini, ils ont fini d'enlever les déchets dans les oreilles, ils ont ouvert mon ventre et ils ont ramassé. C'est-à-dire qu'ils ont vidé les déchets qui étaient dedans. Gloire à Dieu! Ce que les bêtes ont laissé, tout ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas enfanter. Gloire à Dieu! Ils ont tout enlevé. Et quand ils ont vidé, eux, ils me parlaient, mais moi, ils ne pouvaient pas leur parler. Ils m'ont dit que, c'est-à-dire que quand ils finissent un, ils me disent le pourquoi ils ont fait ça, et voilà ce qui te fatiguait. Alléluia! Et ils m'ont dit, c'est ça qui faisait que tu avais toujours mal dans le ventre. Et quand ils ont fini, ils ont refermé. Et après, ils m'ont renversé. Alléluia! Acclamation à Jésus-Christ. Jésus. Après, ils m'ont renversé sur le ventre. Et ils ont ouvert, ils ont déchiré au niveau de la colonne vertébrale. Ils ont déchiré ici. Et ils ont levé un fer rouillé. Gloire à Dieu. Ils m'ont dit que c'est ce fer-là qui faisait que ton dos chauffait toujours, que tu avais toujours mal au dos, tu ne pouvais pas t'asseoir. Jésus est bon. Jésus est puissant. J'ai vu que Jésus est puissant. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Merci. Gloire à Dieu. Et quand ils ont enlevé le fer, ils m'ont montré. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait quelque chose sans me dire, ou bien sans me montrer le pourquoi ils ont fait, et sans me montrer ce qu'ils ont levé. Alléluia. Quand ils m'ont montré le fer rouillé, comment un fer comme ça peut être dans le dos d'un être humain? Alléluia. Si ce n'est pas Jésus qui pouvait enlever ça. Jésus est bon. Et il est puissant. Et quand ils ont enlevé, parce qu'ils avaient enlevé la peau là, ils m'ont dit que, tu vois, cette peau là, ta peau, on ne peut plus remettre parce que ta peau est endommagée à cause du fer. Donc c'est gâté, on ne peut plus remettre. Et ils m'ont dit, soulève ta tête. Et j'ai soulevé ma tête, j'ai regardé au ciel, il y avait une peau comme une bande enroulée qui venait dans une lumière comme ça. Jésus-Christ, ça va t'arriver. Ça va t'arriver, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Acclamation à Jésus-Christ. Ça va t'arriver. Et lorsque c'était arrivé à mon niveau, ils ont refermé, ils ont pris et puis ils ont refermé. Dès qu'ils ont refermé, j'ai pu me lever. J'ai commencé à sauter. Attends, avant, je ne pouvais pas. J'ai dit non, mais danse d'ici, la danse de notre église, là, c'est tellement dur ça, je ne pouvais pas faire ça. Alléluia. Parce que j'avais un problème dans le dos. Mais maintenant, Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai commencé à sauter. J'ai commencé à sauter. Et je disais à mon époux que Jésus venait de me guérir. Que les Jésus envoyaient ses anges. Je suis guéri. Quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. J'ai commencé à danser, sauter, transpirer même. Et quand je lui ai dit, il dit oui. Que j'ai suivi tout ça. Seulement que je n'ai pas vu les anges, mais je voyais. D'abord, tu étais sur le dos. Après, tu t'es renversé sur le ventre. Jésus. Jésus. Non, écoutez d'abord. Écoutez. Et on a rendu grâce au Seigneur. Écoutez. Gloire à Dieu. Effectivement. Elle était en train de gémir parce qu'elle était couchée sur le dos. Alléluia. Et j'ai voulu la toucher pendant que j'étais en train de repasser les habits. Et je ne sais pas, mais c'est le Seigneur qui a bloqué. C'est le Seigneur qui m'a bloqué, gloire à Dieu. Et je me suis retenu et j'ai commencé à l'observer. Jusqu'à ce que les anges, le Seigneur finisse de faire l'opération.
et qu'elle se lève, qu'elle commence à sauter, que je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, c'était extraordinaire. En fait, il faut voir pour croire. C'est-à-dire qu'il faut voir pour voir. Je ne sais pas, j'ai une nouvelle peau. Moi, je suis encore sur la terre, je ne suis pas encore morte. J'ai une nouvelle peau qui vient du ciel. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Par moment, je suis là, je touche. Et puis, je rends grâce au Seigneur. Je dis non, moi, ce n'est pas n'importe qui. Je suis Jean Jésus même. Acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Et juste pour lui, souvent je dis, Seigneur, enlève toutes les peaux, le reste et puis remplace. Tellement que c'est parce que c'est tellement bon. C'est glacé. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mon dos. Jésus est bon. Jésus est juste bon. Vous l'avez entendu. Et ceux des lèvres d'une femme de la même nature que nous. Les soins transcendantaux du divin médecin ont encore fait parler d'eux. Deux anges délégués spécialement du ciel pour exécuter les ordres de Dieu en faveur de la guérison totale de la sœur Vinciane. Une peau de dos qui quitte le ciel pour remplacer celle endommagée par un fer rouillé qui était à la base de cette douleur dorsale. Même les dermatologues ne peuvent que s'incliner devant cette dimension sans égale de greffe de peau. Il a été fait une greffe de peau, d'une nouvelle peau qui est descendue du ciel pour être greffée à son dos. Généralement, moi je suis dermatologue, j'ai l'habitude des greffes de peau avec mes patrons. Généralement, on va retirer sur la cuisse pour mettre sur le dos ou bien on va retirer sur la jambe pour mettre sur le dos. Mais la peau est descendue du ciel. Jésus. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Notre témoin qui avait été déclaré stérile par les médecins est aujourd'hui mère génitrice d'une fille. Oui, génitrice et non pas adoptive. Précision à faire. Et vu que les bêtes avaient creusé un trou au niveau de mon embrune, donc le docteur disait qu'il m'avait déclaré stérile. Il m'a dit que là où... C'est-à-dire que j'avais plus rien pour moi, que j'étais déclarée stérile, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas accepté le fait qu'il m'a dit que j'étais stérile. Et je me suis dit que c'est que Dieu, j'entends des témoignages, que Dieu est capable de tout faire, gloire à Dieu. Que je sais que moi je serai une mère, mais je ne sais pas quand, amen. Et le médecin qui m'avait déclaré stérile, voilà que après l'opération, voilà l'enfant que Jésus m'a donné. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est puissant. J'ai cru en lui. Mon mari voulait aller dépenser. Je lui ai dit non, tu vas aller dépenser. Moi, je veux que Jésus n'a qu'à me guérir. Parce que moi, j'ai besoin de la guérison. Je n'ai pas besoin qu'on me soigne. Parce que quand mes parents m'avaient envoyé à la clinique de Yam Sokro, des millions, mais ça venait toujours. Mais depuis que Jésus, lui, m'a guéri, alléluia, je ne connais plus de migraines. Je n'ai plus mal au ventre. Depuis quand j'ai pris la grossesse, je ne suis pas tombée malade, je suis toujours en forme. J'étais toujours en forme. Et avant, je ne pouvais pas grossir. Ceux qui me connaissaient, je ne pouvais pas grossir, mais maintenant, c'est à cause de l'enfant, il a maigri un peu. Alléluia. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Parce qu'elle est en forme, elle a eu 4 mois, 10 jours maintenant, je crois. Donc, il faut la prendre, tout ça là, ça fait qu'elle maigrit un peu. Sinon, je grossis maintenant, je mange à l'aise. Au fait, avant, quand la nourriture tombait dans mon ventre, j'avais mal. Ça fait que je ne pouvais pas manger jusqu'à être rassasiée. Et quand j'ai trop faim aussi, c'est un problème. Alléluia! Je souffrais, mais j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. J'ai cru parce qu'il a dit que ton serviteur venait de prier. Il a prié avant-hier, le premier, le 31. Tu vas me guérir. Tu vas me guérir ou bien tu vas me guérir. Alléluia. Et il l'a fait. Frère, Jésus est puissant. Il n'a pas changé. De la même manière qu'il m'a guéri, il m'a donné une nouvelle peau. Il peut faire aussi pour toi. Alléluia.
Qui pouvait délivrer Vinciane de ses douleurs si ce n'était le Seigneur Jésus-Christ? Peut-on encore nourrir le doute et l'incrédulité face à de telles merveilles accomplies par notre Seigneur Jésus-Christ en réponse à la prière de ses enfants? Voici un témoignage qui nous dit encore que Jésus est vivant. Quelle que soit ta maladie, il peut te guérir. Quelle que soit ta situation, il peut te délivrer. Pour plus de témoignages sur les guérisons et délivrances miraculeuses opérées par le Seigneur Jésus-Christ à travers l'intervention des anges, procurez-vous le livre « Guérisons et délivrances divines » du Dr Boniface Meynier. Livre disponible à la librairie du Centre évangélique de la documentation et de l'information, sise au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjamé Liberté. Pour toutes vos commandes, contactez dès maintenant le 05 04 10 10 14 07 77 98 18 62.